Yep les gens, c'est Verxius. Alors je lance pour une nouvelle vidéo, donc je sais, ça fait 3-4 jours que vous n'en êtes pas sorti, donc excusez-moi, je peux pas vous en sortir souvent en ce moment, donc vraiment désolé. Donc pour cette petite vidéo, je vais vous présenter mon CRA, donc là, 712 d'intelligence, donc il peut monter à 850 d'intelligence, donc seulement level 137, donc c'est vraiment une très bonne panneau. Donc on se paie à 5 PM, donc on va faire un Coliseum tout en le testant au punch en attendant. Donc j'ai pas une bonne cote parce qu'avant quand j'avais commencé Dofus avec ce perso je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais des Coliseum level 50 donc vraiment j'étais pas bon. Il y a pas de grand stuff level 50 feu sauf le panneau bloc. Et en plus j'avais pas des dés, il manquait 10 levels du coup. Donc on va d'abord tester avec le brûlé en attendant qu'il y ait un colis qui se trouve. Donc j'espère, donc je vais d'abord vous montrer le stuff. Donc on va dissocier tout. Comme ça vous voyez un peu à quoi ils ressemblent les items si vous les cherchez. Donc attendez. Un chapeau truche, donc je pense que vous pouvez faire mieux hein, que ça, vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc un chapeau truche, donc vous voyez un jet vraiment bien over, donc normalement c'est 200 de vita. Là je suis à 250 de vita sur 32 sasa, 27 et 48 d'un test 50, donc c'est vraiment pas mal. Un CC, un PO, l'essai de dommager toutes les résistances, donc le jet est vraiment parfait avec un over vita. Ok, donc en plus j'ai déjà un colis, donc au pire je continuerai après. Donc voilà, donc on va s'équiper. Hop, hop. Donc voilà. Donc je continuerai juste après ce colis la présentation. Donc vous voyez, donc là on tombe vraiment contre du haut level, sachant que moi je ne suis pas vraiment opti. Donc en plus j'ai vraiment pas mal d'initiatives, donc vous voyez 2517 d'initiatives. Non mais qu'est-ce qu'il fout là? Non. Ah il est bête, c'est pas bon. C'est un Eka avec moi, là j'ai un Sadida. Ouais, donc ils ont pas un bon stuff je pense de 4 PM. Bon, 12 PA ça va, mais bon je vais plutôt boost en PO le Sadi. Donc voilà. Donc on va continuer le stuff en attendant, donc je vais vous mettre comme ça. Non. Donc vous voyez, donc le chapeau truche, donc vraiment jet parfait. Une baguette d'Olympe over 100 de vita, donc ça peut monter à 110 de vita si je me trompe pas. Ou alors j'ai le jet max en over, je ne sais plus. Un gelano 32 d'intel, 1 PA, je vais pas mettre PAPM parce que j'ai déjà 6 PM. Une Ortiz, donc jet parfait. En plus j'ai vraiment pas mal de résistance du coup. Donc une DDM Ordrous Camelon, level 100, 300 de vita, 1 PM. Des bois du Royal Mood, jet totalement parfait presque, manque un de résistance par là. Une cintruche, donc avec un petit exo, 2 de fuite. Donc vous voyez le jet. Et voilà mon jet, donc il manque 30 d'initiative, sinon il est parfait. Blood Griot Royal, donc c'est vraiment bas level, mais il n'y avait que ça. Parce qu'il n'y a pas plus level en intelligence, ou alors. Les équipements level 100 d'intelligence sont moins bons que ça, puisque ça on peut l'over vraiment à haut. L'alliance des Laoud, donc vraiment un énorme over. Enfin un énorme, du 30 ça va. Donc il y a quand même un bon jet accompagné avec des résistances parfaites. Donc j'ai pris un remueur, un perse, conduita, un fonceur pour, vous allez voir, 200 dini, 400 dini, 400 dini. En gros ça me fait 1000 d'initiative en plus. Et l'érudit qui me fait 50 d'intelligence avec un petit avant, parce que je savais pas trop quoi prendre comme trophée en plus. Donc j'espère qu'on va gagner ce colis hein, parce que il a l'air vraiment des. Parce qu'il y a vraiment du haut level en face 154 et 149. Alors que là vous voyez. Ah mais 155, j'avais 155 avec moi. Donc vous voyez les résistances sont pas mal. Surtout en air. Après en terre et en aide, donc contre un Yop, c'est un peu moins opti. Par contre on a un Sadida, donc ce qui est vraiment bien, en plus 12 PA, donc il a l'air bien opti sauf en Vita. Donc je vais continuer à vous montrer les stats. Donc là je suis à 1112 d'intelligence, je ne sais pas pourquoi il m'a boost je pense.
Ouais, une roulette 400 d'un tête. Donc là, je vais vraiment rocks comme un porc, on va dire. Parce que là, je suis full boost avec en tout. Attendez. Voilà. 400 d'intel, donc vous allez voir là, je pense qu'il va prendre cher le Lenny s'il se met genre à gauche ou à droite. Il va vraiment prendre cher, je pense. Il va faire, va falloir que je fasse attention à la transpo du Sadi, du Sacri, pardon. Donc vous avez 2500 d'ennemis et 8 de portée. Donc ce qui est vraiment énorme, je trouve. Les UPM, etc. Avec un exo, on peut monter à 12 PA, mais là en ce moment, j'ai pas trop les moyens. Donc. Bon, l'invocation inutile. Donc, vous voyez, il y a quelques retraits. Donc là, on va vraiment rocks de la patate. Donc, attendez, je vais essayer de mieux jouer possible parce que. Ouais, je viens de lui faire du moins 400, sachant qu'il a pas mal de résistance. Là, on va aller. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on peut bien rock s'accompagner d'une petite flèche glacée. Donc, Lenny a pas mal de vie. Je crois que je suis un des plus bas level, donc je sais pas s'il est qu'avec nous. Ouais, il est vraiment jeté, je pense. Bah, je pense que c'est les stuff des Eken maintenant. Vous voyez, 3500 de vie. Ok, sur ta mère. Bon, je vais pas répondre parce que... Ah là là. Bon, une surpuissante, donc il est vraiment stupide ce que foutre une surpuissante en plein milieu et vers les ennemis, c'est stupide. Mieux vaut les placer en fin de map. Ah ça. Ah tiens, un petit voyageur s'est vendu. Je viens de le mettre à l'instant en plus. Où il rentre pas mal le sacré. Ouais, parce que je vais essayer de bien rox la Lenny là. Parce que ma flèche enflammée rox vraiment pas mal. Ah, 400 d'agir. J'ai cru que c'était encore de l'intelligence, mais bon. J'espère. Oh, bon, c'est bon. Ah non, mais mince, il est là, Lenny. Ah, j'avais vraiment pas vu. Dommage. Bon, c'est pas grave. Le Yop. Non, bah non, je vais rocks là-bas, je suis bête. Ouais, donc je trouve c'est vraiment cheaté la mage des Sadi qu'il y a eu, vous voyez. Plus encore s'il il se détruirait totalement, ça serait vraiment bien. Ok, donc là il m'a bloqué la ligne de vue. C'est pas grave. Ok. Donc faut que je me concentre. Je vais essayer de trouver la ligne de vue comme ça. Voilà. Nickel. Donc vous voyez, il reste déjà 1500 de vie. Vous voyez, franchement, elle est vraiment pas mal, la panneau. Pardon. Je pense qu'on gère. Hein. Donc aussi, ma chaîne a dépassé les 60 abonnés. Donc c'est vraiment sympa de votre part. Donc vous voyez, bientôt 5000 vues. Donc je pense que les 5000 vues ont dépassé. Donc c'est vraiment sympa de votre part. J'espère vraiment que cette vidéo aussi vous plaira. Même si c'est un petit coïsème, ça peut être ennuyant. Donc, va falloir tuer le Yop. Donc, vous voyez, on a vraiment une bonne compo, là. En plus, c'est bien, les cas, pour l'instant, ne rush pas. Donc il rush pas et on arrive à gérer très facilement. Donc, imaginez quand il va rush, il va totalement... Ils vont totalement se prendre vraiment beaucoup de dégâts. Je pense que c'est que le Sacré qui va nous poser des problèmes. Peut-être Lenny.
Donc faudrait pas que Lenny soigne le Yop. Donc je trouve franchement ma panneau je vraiment pas mal hein, parce que ouais donc, non les questions d'agilité attendez oui c'est la roulette je me disais il manque juste de la Sasa, il pourrait en avoir plus. Bon un Dofuscawatt ça vraiment mieux vaut mettre ça ou non j'aurais pu mettre un Dofuscawatt à la place du savant. Oui par contre ça j'ai pas réfléchi mais bon je préfère au moins je dépasse les 700. Donc ils sont vraiment bêtes ils se remettent encore en ligne. Oh. Alors attends. Donc je sais pas pourquoi il lui fait Destin de Caflip. Donc ça commence à failliter en face. Enfin dans leur propre équipe. On va essayer de les faire rager le plus possible. Donc là je pense bon c'est parfait, il va pas heal je crois qu'il voilà donc il va pas heal donc c'est parfait. Donc voilà c'est dommage qu'encore attendez j'ai 6 PM. Je sais pas si ça va le faire. Nickel. Donc attendez. Oui, excusez-moi. Donc oh, pourquoi il a plus de vie là d'un coup le. Attends, d'un coup le Sadie là, il se fait pas mal rox. Ouais mais aussi il a pas beaucoup de vie. C'est normal qu'il se concentre sur lui. Je sais vraiment pas ce qu'il fait. C'est vraiment dommage. Oh le soin, putain, je savais vraiment pas que ce soit important. Non, me dites pas qu'il finit. Ah, ça va. Putain. Ouais, donc je pense qu'on peut gérer. Ça va dépendre. Si ça meurt, je pense que c'est fini. Parce que on va se retrouver à 2 contre 3. Ah, nickel. Donc je pense faudrait pas que Lenny il là, ça serait un peu dommage. Je pense il va. Ouais je pense Lenny va le recon. De toute manière, je vais heal le Sadie avec mes flèches explo. Bien sûr il va sur moi. Ah mais je suis plus boost. Ouais, nickel. Donc, attendez. Non. Ah, mince. Hop. Ouais, donc là je pense ça va être dur. Ah bah il reste 2 PA. Mais en fait là ça va dépendre du Sadi. Va falloir voir comment il joue. Ouais donc c'est bon s'il le finit. Enfin. Ouais je pense qu'il le finit. Ouais donc c'est vraiment cheaté les Sadi, regardez. Il est élevé 55 quand même, mais bon. Il y a vraiment un énorme rock, je trouve, quand même.
Ouais, il a fait presque du 1500 même plus. Donc je pense que ça va être vraiment un beau combat qu'on va gérer. Donc j'espère vraiment que je parle pas dans le vide quand même, on sait jamais. Du coup, on va se concentrer, je pense, sur le Yop. Parce que c'est lui qui fait le plus gros de dommages. Alors que Lenny, franchement, il est pas vraiment super, je trouve. Enfin, il rocks quand même, mais bon, c'est le rocks d'un ennemi normal de base. Quand il a encore pas mal de PA, je suis en train de prendre cher. Je pense qu'il va Mimo, même pas. Ouais, ils essayent de rocks le plus possible, mais ça va rien servir, hein. Ils ont aucune chance maintenant, je pense. Donc là, je vais. Hop. Pour un PA. Moins 2 PA, nickel. Ouais, donc je vais PO comme ça. Le side il va bien pouvoir rocks. Ouais, ce serait vraiment pas mal là qu'il invoque une petite surpuissante. Comme c'est cheaté les sadis. Surtout que quand vont mourir ces deux invoques, elles vont respawn en un arbre. Je sais pas s'il faut un nombre d'invoques, je sais pas pour la nouvelle mage avec les sadis. Je sais pas si les arbres comptent comme une invoque, je pense que oui quand même. Ouais, nickel. Ah, c'est vraiment trop cheaté maintenant les sadis. On va voir, attends, il m'a dit c'est pas fini, ouais non. Ouais, la compo elle est vraiment parfaite. Donc oui, excusez-moi. Ouais, donc là il va. Ouais, mais ils ont plus aucune chance, je pense. Hein. Enfin, même c'est sûr du coup. En gros, en fait, je pense ils auraient mieux joué, ils auraient pas rush comme des débiles. Ils auraient dû transpo un de nous trois, pas le Sadie, parce que le Sadie, ils auraient d'un coup leur aurait vraiment rocks. Ils auraient dû me transpo moi, le Yop, à part nos rocks du 900 au moment, il a vraiment servi à rien. D'ailleurs, un fort rare, je trouve vraiment que ça sert pas. Donc là, la petite. Hop. Bien sûr, je ne coup critique pas avant. Ouais, j'ai vraiment pas réfléchi, mais c'est pas grave. Ouais, il a. Je sais pas s'il a plusieurs trucs. Attendez. La 50, elle enlève que 2 PM. Ouais, ça pourrait être intéressant. Moins 1 PM. Ouais, donc maintenant je les ai bien boost PO, donc je pense ils vont finir le Yop. En plus. Ça gonflable à 9 PM, donc ouais, fini le Yop, on va bourriner hein, maintenant, c'est fini. Ah ben il a. PK, je pense qu'il faut qu'il aille sur Lenny.
coup là une surpuissante, ouais ça peut être pas mal. Bon moi je préférais quand même qu'il rush. Mais je sais pas du coup maintenant si si la reconstitution marche sur les ennemis. Oui voilà. Donc un petit rox, enfin un petit rox, un gros rox même. Dommage qu'il ait attiré l'ennemi là-bas. Une nouvelle guilde, ça m'intéresse pas. Ouais voilà, il va le recon. Ah mais attendez. Ah non, il a même pas Molotov. Bah il sait pas jouer je trouve. Il va... Non, il va pas finir son pote. Non ça va, c'est des bons joueurs, ils jouent jusqu'au bout. Donc franchement, si ces épisodes vous plaisent sur du Coliseum, dites-moi si vous en voulez d'autres. J'espère vraiment que ça vous plaira, ces épisodes-là. Donc voilà, je le finis. Bon, je rock absolument pas à ça. Ouais, donc je pense que je vous ressortirai des vidéos avec eux. Ouais, je ressortirai des vidéos avec eux parce que ils sont vraiment... Ça, ils sont sympas, etc. Donc je les mets amis. Ouais, donc voilà le combat. Donc vous voyez d'avance, franchement, ils auraient mieux joué, ils auraient pu nous gagner. Parce que vous voyez, il y a vraiment un gros level de différence de leur part. Enfin, gros level, il devait avoir en tout 20 à 15 levels de plus. Ça fait vraiment la différence des fois parce que quand il y a les 15 levels la sacrifier là vous voyez ça fait du 1000-1500 à sacrifier à ce stade. Et elle a pas fini d'augmenter, dans un tour elle va encore augmenter. Donc je comprends pas pourquoi ils ont cheaté autant les Sadida. Pour moi c'est devenu la meilleure classe de Dofus puisque vous voyez bien une sacrifiée, s'ils la boostent bien, qu'ils arrivent à la tenir en vie avec des groutes, des dégonflables, etc. Ils peuvent immobiliser totalement leur adversaire et la sacrifiée peut faire très très mal. Donc booster à mort, bah, elle peut os quelqu'un je pense vraiment. Parce que comme c'est tour infini, elle peut vraiment os. Donc là, ah dommage que j'ai pas fait dispersion. Il a essayé. Ah ben non, je rigole, mais je me suis pris quand même pas mal de dommages en moins. Dommage que... Ouais. Ok. Je vais le flèche enflammée, je pense. Vous voyez, il y a vraiment un gros rox, hein, surtout qu'il a 9% de résistance feu, moi. Ça importe pas énormément, mais ça importe quand même. Donc, je vais mettre là. Comme ça, s'il voudra, s'il sera obligé d'avancer. Donc, honneur à toi, je pense que tu le finis. C'est vraiment dommage, par contre, faut vraiment bien jouer les Sadida, parce que, vous voyez, les arbres peuvent vraiment bloquer la ligne de vue très facilement, et c'est vraiment chiant. Là, je pense qu'il va invoquer un groupe pour le pousser, si je me trompe pas. Voilà, bah ouais. Donc je sais pas si un groupe peut pousser de 5 PM. Bon, je pense que oui, s'il le fait quand même, c'est qui sait jouer sa classe. Étant donné moi que j'ai un Sadidal VL 155 aussi, faudrait que je le stuff, ça pourrait être pas mal. Vous voyez, le Rox n'empêche. J'espère que qu'elle va pas faire durer le combat, enfin qu'il va pas faire durer le combat avec une reconstitution.
Oui, donc là, ouais, donc je vais finir l'ennemi sauf si ou la sacrifier qui devient de plus en plus grande. Je sais pas si je le finis. Ouais, mais il a aucune chance là. Là, je pensais à faire deux vampiriques sur sur la sacrée. Yeah, donc fin du combat, fin du game. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en plus, fin de mon avec mon crâne, donc ça c'est bien. Donc voilà. Donc on a vraiment pas mal GG en plus. Enfin, les colisettons, bah, c'est normal de toute manière. Donc, un petit pex. Donc, en plus, je suis en x2. Pourquoi ma mature, mon monture a pris? Elle est 0%, mais pex quand même, je savais pas. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Allez, ciao, ciao les gens!